Écoulage. On a un bon béton. Le fond de moule et les joues ont été huilés avec de l'huile de décoffrage. Tu vois, avec un petit pinceau là. Tu vois, ça aurait été bien de cuber, savoir combien il nous fallait de béton. T'as cubé, Thibaut ? Combien ? 260 ? 278 ? Ils ont fait le calcul avant. Mètres cubes ? Ouais. 278 mètres cubes ? Si. Ah. Allez, Caïs, tu mets des petits coups de vibreur. Ah, tranquille, ça va pas faire les coups. Pas du tout. Non. Voilà, tranquille. Hein. Oui, ça arrive. Il va falloir que ça arrive, préparez-vous, passez un petit coup de nettoyage, qu'il n'y ait rien qui gêne. Alors, okay. Ce qui est important, où il faut vibrer, c'est toutes les parties qui seront apparentes. Donc, c'est surtout aux extrémités, d'accord ? Après, aux extrémités. Merde. Ça va. Pas mieux parce qu'après ça va toucher le tuyau. Donc on a un béton qui est dosé, il est également adjuvanté avec un accélérateur de prise de manière à pouvoir travailler le béton le plus rapidement possible et lui donner une finition. Voilà, une finition lissée sur le dessus. Donc vu qu'on n'a que 3 heures pour travailler ce matin. On a fait le choix de mettre un adjuvant à l'intérieur. Voilà, c'est un béton qui se tient. Il est légèrement ferme. Tu peux t'approcher plus, Caïs. Approche-toi plus. Non, ça craint pas. On met du béton ici aux extrémités. Allez, go. Voilà, allez. Continue. Aux extrémités. Parce que là c'est bon, on va en foutre partout. Fais là-bas, comme je faisais. Attends, on coule le béton, il faut que ce soit nickel. Voyez, on n'a pas droit à l'erreur. Allez, encore, vas-y, mets-en là-bas. Essaye de faire les pourtours. Comme ça au moins on peut les vibrer et ça fera pas de reprise. Merde.